Bon, après 3 semaines passées en Thaïlande, donc au centre de la Thaïlande et nord de la Thaïlande, on vient juste de passer la frontière pour arriver au Laos. Donc on est à Wild Zile. On vient de se trouver un petit bungalow là, sur une hauteur de la ville. C'est vachement chouette. Donc il y a le fleuve là, qui est là-bas. En fait, c'est une petite association qui loue des bungalows. Et les fonds sont reversés aux minorités ethniques et pour le droit des femmes. Donc c'est pour la bonne cause. Mais c'est en plus le bungalow est vachement chouette, c'est très mignon. Et on est en plein centre de la ville. Donc voilà, donc là il est à peine 15h, donc on va pouvoir profiter de la journée et découvrir le Laos. C'est parti pour 3 semaines. Zusammen mit Peter, unserem Freunden. Hier ist Peter und da hinten ist Isabelle. Das sind ganz, ganz liebe Tiere. On est le soir du Nouvel An chinois, on est vendredi 16 février, on est à Luang Prabang. On vient d'arriver, on a passé 2 jours là sur le Mekong en slow boat, donc c'était super sympa, un peu long, mais on avait des paysages quand même assez sympas. Par contre, en arrivant à Luang Prabang, petite mauvaise surprise, on arrive à notre guest house qu'on avait réservé en avance, et là la propriétaire nous dit qu'on a, bah, on a pas de place, il n'y a plus de chambre de disponible. Donc déjà qu'on l'avait payé un peu plus cher que d'habitude, parce que je pense qu'au niveau du... avec le Nouvel An chinois, ça a un petit peu augmenté. Et puis là, on s'est un peu retrouvé comme des cons, tout simplement. Donc on a dû chercher en urgence une autre chambre. Donc on a trouvé cette chambre qui est franchement pas terrible, c'est dégueulasse. C'est vraiment pas très propre. Et c'est encore plus cher que l'autre. Et c'est voilà, 30 euros. Donc là, on a pris 3 nuits directes parce que sinon, il n'y avait plus rien. C'était le moins cher qu'on a trouvé. Sinon, ça tapait direct dans les 200 euros, 200, 300 euros pour 3 nuits. Donc 100 euros la nuit. Donc non, c'est mort. Donc voilà. Mais donc on a hâte quand même de voir Luang Prabang. Donc...
restaurant en allant près de moi. Il y avait une question d'art qui a changé ce super lecker. Und jetzt haben wir uns gedacht, essen wir hier noch einmal mittags. Also es ist schon 16 Uhr, glaube ich. Also wir essen immer ein bisschen verspätet, ist nicht so schlimm. Es gibt Suki-Suppe. Suki, das ist so eine traditionelle Suppe mit Reisnudeln. Ich guck mal, wie das aussieht hier. Durchsichtige Nudeln. Mit ganz viel Gemüse. Wahrscheinlich ein bisschen Curry. Wir haben die noch nicht probiert. Auf jeden Fall schmeckt es hier super gut. Alles, was lau ist, sahnisch ist, ist mega lecker. We knew we had to forget for now. In order to survive, we put our past aside. Just to stay alive. Il est 6h du mat, on s'en va à Waterfall Kwangsi Fall. Donc c'est à une demi-heure de l'empereur. On est crevé, mais bon, ça a l'air d'être génial, donc on s'est levé. Make up my mind no matter what.
Hallo, wir sind gerade bei der Konglo-Grotte in Zentral-Laos, irgendwo im Nirgendwo. Diese Grotte, wir sind da mit dem Boot gerade durchgefahren, die ist 7,5 Kilometer lang und 100 Meter hoch an einigen Stellen. Also wirklich unglaublich, wunderschön war es. On est arrivé à Champasak, là on va au Vatfou en vélo et on s'est arrêté en plein milieu de la route parce que mademoiselle a déraillé de son vélo. Donc en plein soleil, là on a trouvé un petit poignon mais on a dû le remettre. On a les mains dégueulasses, mais bon, on continue. C'est hyper chaud. Trust you and jump down. I'll keep my status quo up here. Won't let anybody come near. I'll fix it on my own. 29 years I've been the same. Trying so hard to run from shame. But how long can I keep up the pace? To fool myself, I don't need grace. Be there to catch my fall. Need to be sure you'll hear my call. Darkness around me and I don't know why it's so hard to let go. Why it's so hard.